Il est 13h, bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. La route de Porto Novo à Promistrete est à nouveau fonctionnelle. Fini les tracasseries sur cet axe routier et vous allez le voir, les populations en sont soulagées. Attention à l'excès de vitesse sur certaines voies de la ville de Cotonou. Des radars y sont installés, ils ont même été officiellement mis en service par le ministre des Infrastructures. Et puis des enfants de Cotonou et des environs ont fait leur baptême de l'air. Une séance organisée par Air Bénin Taxi avant de leur offrir des cadeaux pour Noël. Les détails dans ce 13h. Les populations de Porto Novo et Promistrete sont heureuses. Elles peuvent désormais circuler en toute quiétude sur l'axe Porto Novo à Promistrete. Elles sont sorties exprimer leur reconnaissance, une occasion pour élus et autorités des villes concernées d'exhorter les populations à davantage soutenir les actions du chef de l'État, Ghislain Poguet, Daniel Ada. Une marée humaine dans les rues de Porto Novo. La route Porto Novo à Promistrete est reconstruite. Une 2x2 éclairée qui traverse la capitale, telle une épine dorsale. Les populations de Porto Novo et de la Promistrete ont voulu dire leur reconnaissance au chef de l'État. Le conseil municipal de Porto Novo et toute la population par ma voix disent merci au chef de l'État pour tous les chantiers ouverts à Porto Novo et lui réaffirment leur soutien indéfectible, car nous saurions oublier ses grandes œuvres. Ce qui m'enchante et enchante la communauté de l'Ouémé, bien sûr particulièrement celle de Porto Novo et d'Promistrete, c'est qu'il y a double voix. Nous avons de l'admiration pour le président Talon, et bien qu'il vienne de réussir là où les autres ont échoué. La réalisation de l'ouvrage est si appréciée par les populations, parce qu'elles l'attendaient depuis des décennies. Depuis plus de 60 ans, Porto Novo n'a jamais bénéficié de ce genre d'infrastructure. Le président Patrice Talon, je le remercie parce qu'il est en train de redonner à Porto Novo ses attributs de capitale. C'est un grand soulagement pour toute la population de Porto Novo et surtout d'Promistrete. Ça me fait chaud au cœur. Il y a environ 60 ans, nous attendons cette réalisation et c'est maintenant que nous l'avons eue. Et c'est ça qui justifie la liesse populaire que vous remarquez en ce moment. Aujourd'hui, après la reconstruction de cette voie Porto Novo à Promistrete, les populations ont diverses raisons de se réjouir. Sentiment de fierté, de joie. Et nous allons demander à celui qui est en tête, qui a pu réaliser ça, puisse avoir de bonne santé pour continuer les autres œuvres. Je suis content parce que c'est ce que j'avais eu à dire à cette population en son temps, en 2016. C'est ça qui est devenu une réalité. Si on me dit que cette voie, aujourd'hui, ce serait une grande voie, une voie libre, où on pourra passer sans gêne. Même la saison pluvieuse, il n'y aura pas de problème, je n'allais pas croire. Mais c'est une réalité. Et c'est ça qui m'a rendu fier. Vraiment, nous le remercions. Tout Porto Novo le remercie. C'est un homme, c'est un homme de parole. Vraiment, ça nous réjouit de voir la ville très belle. Par le passé, beaucoup d'accidents mortels se sont malheureusement produits sur cette voie, autrefois parsemée de nids de poules. Elle méritait bien son surnom de couloir de la mort. Mobilisons-nous et mobilisons tout Porto Novo pour encourager et soutenir Patrice Talon. Comme Porto Novo, d'autres grandes villes du pays ont accueilli de grandes réalisations de Patrice Talon. Et puis 35 jeunes ont reçu une formation sur le développement de l'esprit d'entreprise et la création d'entreprise. C'est par le biais d'un séminaire qui a lieu dans le cadre de la quinzaine nationale de l'emploi. Ceci grâce au partenariat entre l'ANPE et le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Bruno Swali et Alexis Kenom pour Le Point. En 2 semaines, plus de 30 jeunes Béninois ont changé de statut. De simples aspirants à l'entrepreneuriat, ils sont devenus de véritables hommes et femmes capables de créer une entreprise grâce aux communications reçues pendant les travaux de cet atelier. Je leur ai posé une question tout à l'heure. Pensiez-vous être capable
lorsqu'on vous a dit la semaine passée, vous allez créer des entreprises qui vont fonctionner, vous allez gagner de l'argent en moins de 5-6 jours. Est-ce que vous y croyez? Non. L'avez-vous fait? Oui. Il y a des gens qui sont sortis actuellement avec pas mal d'argent, leurs fêtes de fin d'année sont assurées. Je vous avais contacté entre-temps pour dire ce qu'on disait impossible à l'InfoSec a eu lieu. Il y a des étalages dans les couloirs, dans les rues, un peu partout. Tous les bureaux ont été envahis. Et c'était nous notre objectif. Des jeunes complètement transformés à l'issue de l'atelier de formation sur le développement de l'esprit d'entreprise et de création d'entreprise, activité entrant dans le cadre de la quinzaine nationale de l'emploi. Plusieurs modules ont été enseignés aux participants, désormais mieux aguerris aux sorties de cette formation, pour révolutionner le monde de l'entrepreneuriat au Bénin. Après 2 semaines d'intenses activités pratiques, nous avons été mis à l'épreuve quotidiennement. En si peu de temps, nous avons vécu la vie d'un entrepreneur de 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Nous avions créé des micro-entreprises très compétitives et nous avions fait d'énormes chiffres d'affaires. Les stéréotypes les plus impossibles ont été démontés. Des talents ont été révélés et un nouvel élan entrepreneurial s'implante désormais dans la vie de chacun de nous. Jamais de toute notre carrière, mes collègues ici présents peuvent le témoigner, nous n'avions vécu une telle expérience. Assuré par l'Institut de développement des compétences en Afrique, IDECA, ce séminaire s'est déroulé grâce au partenariat entre l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Dans le cadre des activités du programme d'action du gouvernement, des radars pédagogiques ont été installés sur certains axes routiers de la ville de Cotonou. Et vendredi dernier, le ministre des Infrastructures et des Transports a procédé à leur mise en service officielle. Calvador Aronou et Robert Copin-Edor. Réduire la fréquence des accidents de la route sur les principaux axes routiers du Bénin, c'est la raison de cette descente du ministre des Infrastructures et des Transports, qui vient de doter la route des pêches de radars pédagogiques. Sensibiliser la population béninoise sur les dégâts provoqués par l'excès de vitesse au volant, tel est l'objectif de cette opération. Le radar que nous avions vient parce qu'aujourd'hui au Bénin, les tuyaux font environ 650. Les radars viennent pour répondre à l'excès de vitesse et les nombreux tuyaux et les morts que nous enregistrons dans nos statistiques. Ça vient pour répondre à une préoccupation du gouvernement par votre biais, parce qu'en notre qualité de délégataire de pouvoir, nous devons faire tout ce qui est de notre pouvoir pour pouvoir réduire les morts. Le gouvernement a décidé d'intensifier la sensibilisation. La sensibilisation pour le respect du code de la route et en particulier pour le respect de la limitation de vitesse sur nos routes. L'excès de vitesse est l'une des principales causes d'accidents dans notre pays. Et nous ne voulons pas que nos routes deviennent le lieu de la mort. C'est pour ça que le gouvernement a décidé d'intensifier la campagne, de généraliser cette campagne pour le respect du code de la route, en particulier le respect des limitations de vitesse. Outre la route des pêches, d'autres sites, notamment Canan dans le département du Zou, ont bénéficié de ces radars pédagogiques qui seront désormais installés sur toute l'étendue du territoire national. Je l'annonçais dans les titres, les enfants de Cotonou et environ ont découvert le 21 novembre dernier le monde de la plateforme aéronautique. C'est à travers la première séance de l'année 2019 du baptême de l'air organisée par Air Bénin Taxi. Et juste après, les enfants et leurs parents ont passé de bons moments avec le Père Noël. Jérôme Rumbo, Jules Akoïkou. Ils n'ont jamais voyagé à bord d'un avion. Air Taxi Bénin leur donne l'occasion de démystifier les réalités du monde aéronautique à travers le baptême de l'air. Ils sont venus, on les a pris comme un voyageur normal, on les a fait passer par tous les postes de contrôle. Ils ont vu ce que vit un voyageur. Ils ont également découvert les fonctions sur la plateforme aéroportuaire béninoise. À la fin,
chacun sait qu'au Bénin, on peut devenir pilote. Chaque enfant sait qu'au Bénin, on peut devenir mécanicien navigant. Chaque enfant sait qu'au Bénin, on peut devenir tout ce que l'on veut devenir en aviation. La Cessna Caravane vole dans l'Atlantique et le littoral. Bon, quand j'étais rentrée dedans, au départ, j'avais pas peur, mais quand on a commencé à monter au niveau de la mer, j'ai commencé à avoir un peu peur. En descendant aussi, ma peur s'est calmée. J'ai vu comment Cotonou est belle. C'est la première fois. Quand l'hélicoptère était en haut, on était en haut de l'océan et ça bougeait comme si ça voulait rentrer dans l'eau. Et ça va encore en haut. Et je voyais les nuages qui allaient à toute vitesse. Elle était très contente. Elle a dit que c'était formidable. Déjà, il est très passionné de l'avion et de tout ce qui tourne autour de l'aéronautique. Et puis voilà, pour éveiller davantage sa curiosité, je me suis dit que c'était une opportunité que Air Bénin Taxi offrait de lui faire découvrir les voyages en avion déjà. Et puis je pense qu'il a beaucoup apprécié. Il y a son papa qui voyage beaucoup. Et chaque fois que papa part, il dit... Papa est dans l'air, papa est dans l'air. Pour lui, c'est que papa est toujours dans l'avion. Papa ne descend jamais de l'avion. Donc pour ça, on s'est dit, pour lui, faites découvrir cela. Pour lui, non, on ne reste pas dans l'air, on y va, on descend. Des adultes aussi ont fait leur première expérience. Il y a la peur. Surtout au niveau de la mer, là-bas, là, j'ai eu peur. Ça monte, ça vient, bah, là, j'ai peur. Mais après, je me réconforte. Mes émotions sont bonnes. Si on compare ce que j'ai... Et aujourd'hui, comme expérience, par rapport à ce que j'ai payé, ça ne vaut même pas la peine. Le samedi 28 décembre prochain, Air Taxi Bénin organise la deuxième section des baptêmes de l'air de cette année. Et pour corroborer tout ça, nous avons fait venir Papa Noël pour eux, pour leur distribuer des cadeaux parce que nous sommes en période de fête. Je demande aux parents qui ne nous ont pas encore appelés de composer le numéro fétiche 65 71 44 45 pour faire leur réservation, pour permettre à leurs enfants de réaliser leur rêve. Parce que quand vous rêvez, il vous faut accrocher ce rêve à une réalité probable. Et cette réalité probable-là, nous la faisons dessiner aux enfants au travers des baptêmes de l'air. J'invite vraiment tous les parents à saisir cette opportunité et à amener leurs enfants pour le 28, c'est-à-dire le samedi prochain. La mission évangélique des affranchis a tenu sa convention annuelle le week-end dernier. Les fidèles de cette église se sont retrouvés pour communier et pendant 3 jours, ils se sont consacrés à la prière, aux louanges et à l'adoration. Reportage Bruno Soali, Simon Villon. Quelle ferveur en cette fin d'année à la mission évangélique des affranchis pour dire merci au Seigneur pour sa bonté et sa miséricorde au cours de l'année 2019. La convention annuelle de la mission évangélique des affranchis a réuni plusieurs milliers de fidèles venus de toutes les régions du pays autour d'un thème évocateur pour le triomphe en 2020. Le thème de cette année est intitulé « La mort à soi-même précède la prospérité ». Alors, c'est tiré dans l'évangile selon Jean, le chapitre 12, du 23e au 25e verset. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous dire par là? Le Seigneur veut nous parler du brisement avant d'être prospère, le renoncement à soi-même. Il faut que l'homme se renonce à soi-même, tel que le Seigneur Jésus-même l'a dit, que si quelqu'un veut être effectivement son disciple, la personne doit renoncer à lui-même. La personne doit prendre sa croix et doit le suivre. La convention annuelle de la MEA n'a pas été qu'un moment de retrouvailles, de louanges et d'actions de grâce. Plusieurs enseignements ont été donnés aux fils et filles de cette mission. Et pendant la journée du samedi, il y a eu 2 séances d'enseignement. Et c'est porté sur la mystérieuse semence. Mystérieuse semence, ça c'est tiré de l'évangile selon Marc, le chapitre 4, le verset 26 au verset 29. Mystérieuse semence, comment il faut effectivement donner au Seigneur. Et quand on donne à Dieu, ça dit comment Dieu bénit. Nous avons eu un concert de nos chorales et polyphoniques. Donc en dehors de ça, il y a eu des témoignages et il y a eu également
des actions de grâce. De nombreuses autres activités ont meublé ces trois jours de l'édition 2019 de la convention annuelle à la mission évangélique des affranchis, avec d'intenses prières et bien évidemment des prières à l'endroit des autorités gouvernementales. Pendant ce temps, la compétition départementale Podium des artistes en herbe a connu son épilogue. Plusieurs tableaux artistiques ont permis de révéler des talents. Retour sur les temps forts avec Lénaïque Aguazao. Quatre trophées ont été remportés à l'issue de cette finale de détection des artistes en herbe dans le département de l'Atlantique, et ce, dans les catégories humour, chorégraphie, musique moderne et musique traditionnelle. Les concurrents ont rivalisé de talent pour exprimer leur génie artistique qu'ils tiennent à révéler à la face du monde. Pour la direction départementale en charge de la culture, cet événement constitue un terreau fertile à l'éclosion des talents, l'un des objectifs du programme d'action du gouvernement. Nous sommes ici ce soir pour célébrer notre culture à travers cette activité officielle. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement. Je veux parler des classes culturelles. La présente manifestation vise par ailleurs à prôner l'excellence à l'ère de la rupture et du nouveau départ à partir de la base à travers un encadrement réfléchi et structuré par l'État. Le ministère de tutelle, fortement représenté à l'occasion, promet d'accompagner les lauréats chez qui la joie est bien immense. Je remercie beaucoup Dieu qui m'a accordé cette voix pour chanter à ce public. Des artistes confirmés sont venus soutenir les plus jeunes. En plus des trophées, ces lauréats repartent aussi avec une enveloppe financière et des attestations de participation. Les meilleurs acteurs culturels béninois de l'année 2019 sont honorés. C'est à l'occasion de la soirée Bénin Showbiz Award. C'est une initiative du groupe Bénin Nouveau qui fait un clin d'œil aux artistes qui mettent un point d'honneur à bien accomplir ce qu'ils savent faire. Edmond Rumbo et Robert Copin et d'or. C'est dans une ambiance musicale des grands soirs que ces acteurs culturels béninois ont été récompensés. Nominés dans 24 catégories, les meilleurs élus via le vote en ligne par le public culturel béninois reçoivent ici leur récompense. C'est ainsi que le trophée du meilleur artiste afro-urbain masculin de l'année est remis à Fanny Côte de Jésus. Celui du meilleur rappeur à Vano Baby, le prix de la meilleure artiste traditionnelle féminine revient à Norbeka, la reine du Zinlibété. Et la meilleure artiste féminine est Ceci Main, la Fana Fana Lady. Je suis contente et je rends grâce à Dieu, je remercie mes fans qui me soutiennent et tous les acteurs qui me donnent de la force pour que j'avance dans ma carrière. Et je dois dire encore un big merci à toute la team de Owo Nikoko pour cette belle organisation. C'est génial qu'on ait une autre cérémonie de distinction comme ça, les artistes, c'est choc. Et il a mis les petits plats dans les grands, il a promis nous faire rêver. Et je peux dire que ça a été une soirée vraiment chic. Outre les meilleurs artistes de l'année, d'autres distinctions de reconnaissance artistique ont été décernées aux seniors de la musique béninoise, en l'instar de Sabohan Danialou, Noël Aounou et autres. Contribuer au rayonnement de la musique béninoise, révéler et promouvoir les acteurs culturels béninois, telles sont les ambitions des organisateurs du Bénin Showbiz Award. Le Bénin Showbiz Award a non seulement pour objectif de réunir et de gratifier les meilleurs acteurs du showbiz béninois, toutes catégories confondues, mais aussi permettre aux autres de se surpasser pour ne donner que de bons résultats, histoire de révéler le Bénin à la face du monde.
Cette soirée montre clairement que le message, la vision du gouvernement est tout à fait comprise et elle est accompagnée par le secteur privé. Nous avons constaté tout simplement une certaine présence intergénérationnelle. L'ancienne génération était là, la nouvelle génération était là et je crois que c'est dans cette union, c'est dans cette communion que nous pouvions arriver, n'est-ce pas, à célébrer nos talents, à célébrer notre histoire et à nous projeter dans l'avenir. Les prestations d'artistes ont tout naturellement mis un terme à cette deuxième édition du Bénin Showbiz Hour. Et puis pour finir, dimanche dernier, les Toffins ont célébré leur retrouvaille. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement de Soava pour assister aux réjouissances. Un culte d'action de grâce a été donné à cette occasion. Christelle Tongodo, Patrick Kinyemovo pour le compte-rendu. C'est un grand jour pour ces filles et fils de l'ère culturelle Toffin qui célèbrent leur fête identitaire. Une manifestation qui honore à plus d'un titre la culture Toffin. Ils sont rassemblés au nom de la fraternité et au nom du Christ. Soava nous, mettons-nous ensemble, car l'heure a sonné pour que Soava soit révélée. Nous ne pouvons pas avoir un développement sans l'union des filles et fils de la commune. Et donc, mon mot n'a été qu'un rassemblement national autour du développement de la commune. Dans son homélie tirée de l'évangile de Saint Matthieu, le père célébrant évoque la venue du Christ conçue par la Vierge Marie. Marie étant enceinte, est enceinte de l'Esprit Saint. Que la grossesse de Marie, c'est l'opération du Saint-Esprit pour inviter Joseph à accepter lui aussi d'être le père adoptif de Jésus et de prendre en charge ce qu'on appelle la Sainte Famille. Après le culte d'action de grâce, place à la réjouissance. Nous rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a aidés à trouver le jour. Mes impressions ne sont rien d'autre que la joie et nous remettons l'association dans les mains du Tout-Puissant. Nous sommes ici à Homme-et-Blanc, un sublime village de la commune de Soava. Ne nous y trompons pas. Nous sommes bel et bien chez nous. La grande innovation de cette édition est la construction de modules de salles de classe dans la commune de Soava. La cinquième édition est aussi marquée par des campagnes de vaccination qui se tiennent sur le site de la manifestation. À cette heure-ci, nous avons déjà vacciné une cinquantaine d'enfants. C'est surtout des enfants qui sont venus du village d'Ahom et Blon et d'Ahom et Oumé, parce que c'est des zones rouges. Après plusieurs reports, les retrouvailles à Soava ont finalement lieu. Les regards sont tournés vers la prochaine édition. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, joyeux Noël à toutes et à tous.